Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Hello les babes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis trop contente de vous retrouver dans une nouvelle série sur ma chaîne. Et on commence avec la première maison, c'est la maison Dior. C'est une maison que j'affectionne particulièrement, peu importe les produits qui ont été créés dans la maison Dior, je suis fan en fait. Et vous allez voir que ça va bien plus loin que ça. Christian Dior est né en 1905 à Granville. Il vit dans une énorme villa que vous pouvez toujours retrouver aujourd'hui, que vous pouvez visiter, puisque c'est devenu le musée Dior. Incroyable! Sa famille est aisée et est spécialisée dans les engrais. Sa maison est placée face à la Manche, sur une falaise. Elle porte des murs roses qui lui porteront bonheur. Lui porteront chance dans les années à venir, on va voir tout de suite pourquoi. La famille Dior emménage à Paris quand il a 5 ans. Et comme c'est une famille aisée, c'est vrai qu'ils font partie un petit peu de la haute, on dira. Et c'est justement de cette catégorie-là qu'il va s'inspirer pour ses futures créations. Christian Dior ouvre une galerie d'art avec son ami Jacques Bonjean, galerie qui est bien sûr financée par son père. C'est d'ailleurs dans cette galerie d'art-là qui est exposée pour la première fois la persistance de la mémoire de Dali. Les Dior à cette époque, ils sont assez bien vus. Au début des années 30, le petit frère de Christian tombe gravement malade. Sa mère décède et son père est ruiné. C'est une avalanche qui arrive sur Christian Dior, mais il ne va pas s'abattre là. Sa villa qu'il aimait tant à Granville est donc revendue et est transformée en jardin public. Il perd donc la galerie d'art à ce moment-là. En 1929, c'est la crise. Tout le monde est ruiné. Mais Christian Dior reste un artiste et il va pas s'arrêter là. Il va vraiment s'en servir. Il va avoir besoin d'exprimer son art. Christian, il a un certain talent pour le dessin et c'est son ami Jean Ozen qui va le remarquer. Son ami, il va le pousser à vendre des croquis. Et qu'est-ce qu'il dessine Christian Dior à cette époque-là déjà? Des robes, des chapeaux. Il parvient même à faire accepter ses croquis chez Nina Ricci et Balenciaga, qui créera d'ailleurs derrière ses dessins en vrai. Ensuite, il gardera ce talent de dessinateur, donc il va continuer de dessiner pour un grand couturier, mais en plus de ça, il sera modéliste. À ce moment-là, il crée sa première vraie création, un tailleur en pied de poule. Un tailleur en pied de poule noir et blanc qui fut vraiment sa première grande création, un franc succès. C'est d'ailleurs devenu plus tard un code de la maison Dior. Tout ce qui est pied de poule, c'est la maison Dior. Vous pourrez même le retrouver sous votre parfum Miss Dior. En dessous, vous avez le motif pied de poule. Moi, j'ai que la miniature, mais vous voyez juste ici, vous avez le motif pied de poule et vous allez le retrouver dans beaucoup de produits comme ça. À la suite de ça, il devient assistant styliste chez Balmain. Donc vraiment, Christian, il va vraiment continuer d'avoir le maximum d'entourage, de bon entourage possible autour de lui. Mais il en a marre de travailler pour les marques. Il a envie de créer sa propre maison de couture. Il s'en sent capable, il est très ambitieux. Mais comment on la finance, cette maison de couture? Parce qu'après la guerre, il n'y a plus rien. Plus rien à part sa réputation et son talent. Et ça, il le sait. Donc il va tout miser là-dessus, il va prendre son courage à deux mains et il va aller voir le roi de la couture, le roi du coton à ce moment-là. C'est Marcel Boussac. Marcel Boussac, il va prendre vraiment un gros tournant dans sa vie. Et c'est en 1946 qu'il se rend 30 avenue Montaigne pour rencontrer Marcel Boussac et lui demander de financer son projet. Et incroyable, Marcel Boussac, le roi du coton, accepte. Christian, il est très superstitieux. Il va vraiment croire à tout ce qui est destin, tout ce qui est signe un petit peu. Et c'est là où on retrouve encore un grand code de la maison Dior, c'est l'étoile de Dior. En fait, en se rendant chez Marcel Boussac, Christian, il marche sur une pièce en forme d'étoile. En fait, c'est une pièce qui s'est détachée d'un carrosse. Vous voyez les roues des voitures à cheval, et bien à l'intérieur, vous avez des petites étoiles. Il marche sur ça, il la regarde et il est persuadé que c'est grâce à ça qu'il a eu cette chance d'avoir un oui de la part de Marcel Boussac. L'étoile, vous pouvez la retrouver par exemple si vous prenez votre Sauvage de Dior, le parfum pour homme. Vous le retournez et pareil, comme le Miss Dior, de l'autre côté, c'est l'étoile. Mais pas que, vous le retrouvez aussi sur la gamme Prestige, par exemple, le soin de chez Dior. Moi, j'adore ça, j'adore les petits signes qui sont placés un petit peu partout, j'adore. Donc, Dior s'installe 30 avenue Montaigne à Paris et il fait son premier défilé en 1947. Défilé avec chaque détail qui compte. Et à partir de ce moment-là, Christian Dior révolutionne le monde de la mode. Sa première collection, elle s'appelle la ligne en 8 ou la ligne New Look aussi. En 8 pour le côté corps de la femme. Christian Dior, dans sa couture, il veut absolument mettre en avant le corps de la femme. Et à ce moment-là, à cette époque-là, on a vraiment les épaules qui sont un peu plus dégagées, on a la taille qui est affinée et on revient sur les hanches. On forme le 8. Et Christian, il veut vraiment mettre ça à l'honneur.
Le 8, ce sera d'ailleurs le chiffre porte-bonheur de Dior. Vous avez plein de petits signes comme ça dans sa vie qui font la maison Dior aujourd'hui. C'est très précis, chaque détail compte. C'est vraiment, les jambes sont couvertes à 40 cm du sol, c'est vraiment précis. Et à ce moment-là, grâce à toutes ces précisions, le luxe revient au devant de la scène. Christian Dior est très vite reconnu pour son travail. Il avait appelé la presse, il avait tout prévu pour ça. Il reçoit même la Légion d'honneur en 1950. Et l'Oscar de la mode, pour la première fois, est donné à Christian Dior en 1947. Et il se renouvelle à chaque saison. C'est ça qui fait que Christian, il est toujours en vogue. Comme la robe Diorama de la collection d'hiver 47-48, qui a beaucoup fait parler. Il a fallu 26 mètres de tissu pour créer cette robe, contre 3 pour une robe classique. Une robe forcément dite scandaleuse à cette époque, parce qu'après-guerre, il n'y a plus beaucoup de matières premières, et pour certains, c'était du gaspillage. Pour d'autres, c'était du génie. En 1947, et là on arrive sur un chapitre que j'aime beaucoup, Christian se réinvente encore, il nous crée encore de la nouveauté et il nous choque en créant un parfum. Le parfum pour lui, c'est la finishing touch. La robe doit embellir la femme et le parfum doit embellir la robe. Son rêve devient réalité quand il crée Miss Dior, le parfum, qui se retrouve au cœur de la boutique Dior et qui fait encore un carton plein. Alors, à cette époque, c'était pas ce Miss Dior-là qui est sorti. Il ressemblait plutôt à ça. Il avait demandé à son ami de dessiner ce qui lui faisait penser au parfum, tout en sachant que le parfum était représentatif de la petite sœur de Christian Dior. Catherine Dior était la petite sœur de Christian. C'était quelqu'un de doux, quelqu'un qui était très apprécié dans le milieu. Et à chaque fois qu'elle rentrait dans les défilés, enfin dans la pièce du défilé, on l'appelait Miss Dior. Donc à cette époque, pour Christian, ce qui représente le plus tout ce qui est doux comme sa sœur et la paix, c'est le cygne qui ressemble à ça. Et de ça a dessiné le parfum Miss Dior. Donc le parfum Miss Dior, regardé sur un certain angle, en fait, il a voulu représenter un cygne et y a rajouté un ruban autour du cou. Le ruban, généralement, chez la maison Dior, c'est vraiment soit pour affiner la taille, on le met autour de la taille, soit pour rajouter un petit détail au décolleté, par exemple, mais c'est toujours pour embellir, montrer ce qu'on veut montrer. Et bah là, c'est la même chose avec le parfum. On voulait vraiment montrer ce coup de parfum. Ce parfum, il est fait de roses, bien sûr, les roses qu'on pouvait retrouver à Granville, l'odeur de la rose qu'on pouvait retrouver dans son jardin à Granville. La rose de mai, la rose de grâce. Petit à petit, le parfum a évolué. On est passé de cet incroyable amphore à un parfum un petit peu plus solennel. Il est carré, donc on a vraiment voulu refaire le buste d'un mannequin avec bien sûr le nœud autour du cou. Là, cette fois-ci, c'était le nœud poignard. Le nœud poignard, c'est encore un code de la maison Dior. Il est fait de 396 fils exactement, tissés à la main en France. Donc au début, on retrouve le motif pied de poule sur tout le parfum. Et petit à petit, en avançant, on retrouve cette petite chose qui est beaucoup plus grande dans vos magasins. Donc, un buste de mannequin, comme je vous le disais, le motif pied de poule à ce niveau-là, le nœud poignard juste ici, et la couleur est rose, comme les murs de sa maison à Granville. Et pour lui, ce parfum incarne exactement la douceur de sa sœur. Christian Dior, il aimait tellement les fleurs qu'il se disait autant couturier que parfumeur. Voici la robe qui incarne le parfum Miss Dior. Elle est incroyable et c'est vraiment exactement ça. C'est vraiment un bouquet de fleurs que vous offrez à quelqu'un quand vous offrez ce parfum. C'est vraiment une symphonie de fleurs, exactement comme cette robe. Je ne peux pas mieux l'expliquer que ça. C'est exactement ça, Christian Dior. On ne crée pas une pièce comme ça, on crée une collection entière. La robe, le bijou, le chapeau, le parfum, tout incarne cette ligne. Comme je vous disais tout à l'heure, Christian Dior, il sait s'entourer de bons collaborateurs. C'est aussi grâce à ça qu'il a tant réussi, c'est de s'être entouré de personnes qui croyaient en lui et qui ont tout fait pour que ça fonctionne pour lui. Sa garde rapprochée, c'est la suivante. Raymonde Zenacker. C'est son assistante personnelle, c'est la dame de confiance de Christian. Elle veillait toujours, tous les jours, au bon fonctionnement de la maison en alliant ordre et fantaisie. Mitsa Bricard. C'est celle qui donne le côté chic à la maison. C'est une femme très charismatique et son intuition, elle a toujours fonctionné sur toutes les lignes de la maison qu'elle a pu faire. Elle se chargeait de la finishing touch, justement. Le maquillage, les bijoux, le parfum. Vraiment les petits détails de dernière minute. Marguerite Carré. C'est celle qui traduisait les croquis en robe et qui supervisait la bonne réalisation. C'est elle qui s'occupait de toute la supervision avant que Christian puisse voir ce que leur équipe créait. Elle faisait un peu le tri. Et d'ailleurs, le titre de directrice technique a été inventé pour elle.
Elle a breveté aussi chez Dior le mannequin Stockman. Et enfin, Suzanne Lulling. Elle régnait sur les salons, c'est elle qui dirigeait les ventes, c'est elle qui faisait en sorte que les clients soient si amoureux et si envie d'acheter ses produits. Elle avait ses propres techniques de vente. Pour toutes les clientes qui hésitaient encore avec du Dior, elle leur disait d'aller directement voir ailleurs. Elle disait « le remords vaut mieux que le regret ». En gros, elle disait « vaut mieux avoir acheté et se dire « oh mince, j'ai acheté une pièce aussi chère » que d'avoir le regret tous les jours chez soi de ne jamais avoir acheté cette pièce qui nous donnait tant envie ». Alors, comment se passe une création chez Dior? Le maître crée les croquis. Le croquis est ensuite donné au modéliste qui est chargé de le traduire en tissu. Et finalement, les essayages permettent d'affiner la conception de la robe et de créer le tableau final. Christian, il dessine partout. Il dessine à toute heure, dans la cuisine, dans son bain, dans son jardin, partout. Et quand il a le coup de cœur sur un dessin, il en fait de nombreuses variations. Une fois que la silhouette est précisée, il donne son dessin à Marguerite, qui les distribue aux premières d'atelier. Et c'est à ce moment-là où Christian donne tous ses détails. Il évoque tous les détails qui lui viennent en tête quand il pense à la collection. Maintenant, passons aux essayages pendant que Raymond Zenecker dresse le tableau de toute la collection. Pendant les essayages, chaque détail peut être modifié, peut être rectifié. La précision de la coupe et la qualité de l'exécution, c'est vraiment primordial chez cette maison. Une fois que le tissu est définitif, on passe à la répétition du défilé. Le programme de la collection est élaboré et le chapeau est choisi. La répétition générale, elle se fait dans le grand salon, 30 avenue Montaigne. Elle se fait la veille de la présentation. Dans les coulisses d'un défilé, on y trouve 12 mannequins, un chef de cabine, Marguerite Carré forcément, 10 habilleuses, les premières d'atelier, les tailleurs, 3 coiffeurs, les deux collaborateurs immédiats du couturier et les ouvrières qui apportent les robes et accessoires. Et Christian, il apporte beaucoup d'importance à ce dernier poste. Il leur rend hommage en les appelant les petites abeilles. Et là encore, c'est un code de la maison Dior, il sait très bien que sans ce dernier poste qui est pourtant en bas de l'échelle, il n'aurait rien de tout ça. Et vous pourrez retrouver ce code, par exemple, de la même façon dans le bouchon de Sauvage, le parfum. Ou sur les pochettes cadeaux également chez Dior. Le jour J, la maison s'active pour la présentation à la presse, c'est très important. Et les défilés se déroulent toujours de la même façon. D'abord on présente les tailleurs, ensuite les ensembles de ville, les robes plus habillées, les robes de cocktail, les robes du soir longues, les robes de gala et pour finir les robes de mariée. Presque 200 modèles défilent pendant 2 heures. C'est énormément de création, énormément de travail et Christian en est très fier. Il crée aussi des sacs, des pochettes assorties aux chaussures. Et donc le sac à main est aussi un accessoire très important. Et pour lui, les femmes le négligent un petit peu trop. C'est pas faux, quand je vois que j'ai jamais de porte-monnaie, jamais de sac, que je porte des cargos et que je fourre tout dans les poches, Christian il me tabasserait. Le cuir pour lui c'est vraiment un gage de qualité dans les sacs. Et souvent, la couleur est noire ou marron. Et il y avait des petites pochettes à l'intérieur parce que pour lui, on ne mélangeait pas les billets et les rouges à lèvres. Revenons un petit peu à l'histoire de Christian, parce que moi, j'aime vraiment trop ce côté storytelling. Mais d'où Christian a pris tout ça? Je vous disais, la maison de son enfance a beaucoup marqué son esprit. « Ma vie, mon style doivent presque tout à sa situation et son architecture », disait-il. Et ses murs, comme je vous disais, sont un mélange de rose et de gravier gris. Donc ce sont les deux couleur principale, on va dire, chez Dior au début, le rose et le gris. Et ses pièces préférées dans cette maison, c'était le jardin d'hiver et la lingerie. Dans le jardin d'hiver, la mère de Christian, elle lui a appris tout le nom des fleurs. Il était tellement passionné par ce que disait sa mère, il écoutait tout, il a tout retenu, tout le nom des fleurs, et aujourd'hui, il s'en sert, enfin aujourd'hui. Il s'en est servi pendant des années pour créer ses parfums. C'est vraiment dans le jardin d'hiver qu'est né l'amour des fleurs de Christian. Christian Dior, il a su être original et faire valoir son talent à travers le monde. Il s'adapte vraiment à son public. Il sait très bien que le public new-yorkais est un public très attendu. Il présente 2 collections par an à New York qui sont adaptées justement au public de New York. Il prend beaucoup compte de la demande des New-Yorkais. Beaucoup de robes de cocktail, de cabaret. Il y a une phrase qui disait que j'aime beaucoup, qui me donne beaucoup confiance en moi d'ailleurs. Un vêtement sur un cintre est un vêtement mort. Pour prendre vie, il faut qu'il soit revêtu par une femme. J'aime trop cette phrase. Christian, tu me flattes. Et c'est pour ça qu'il crée la cabine Christian Dior. C'est de jeunes femmes qui sont présentes tout au long du processus des créations. Et pour Christian Dior, il y a 2 styles de mannequins. Il y a les mannequins à succès qui sont tournés vers l'extérieur et les mannequins inspirants qui sont tournés vers l'intérieur. Alors il y a tellement de produits qui portent des références Dior, mais par exemple, vous avez un parfum de la collection privée
qui s'appelle Milly Laforêt. Milly Laforêt, c'est là où il habitait à un certain moment avec justement son jardinier, donc qui reprend le moulin de Coudray, là où il habitait, à quelques kilomètres de Paris. Et justement, il a voulu créer un jardin modeste pour pouvoir faire derrière un parfum modeste. Christian Dior, il s'inspire vraiment de tout ce qu'il a autour de lui. Il se rend vraiment compte de la chance qu'il a. Il prend vraiment tout ce qu'il a autour pour l'intégrer dans sa vie actuelle. Et là, on va attaquer un chapitre qui me tient tout particulièrement à cœur, puisqu'en 1953, Christian Dior crée Rouge Dior, le premier rouge à lèvres Dior. Pour Christian Dior, le maquillage, c'est nécessaire. C'est vraiment nécessaire lors de ses défilés. C'est encore un détail qui compte énormément. C'est le fait d'embellir encore plus la femme. Donc il crée le rouge Dior, donc le rouge pur, qui est aujourd'hui celui que je porte d'ailleurs, le 999, que vous pouvez retrouver aujourd'hui chez Dior. Et les couleurs des rouges à lèvres, il les fait vraiment par rapport aux couleurs des pierres précieuses. Et pendant les défilés, le duo make-up et sac, ça fait vraiment un carton plein. C'est vraiment pour tout le monde maintenant, c'est l'élégance de la femme. C'est obligé, il a vraiment créé ce besoin chez les femmes d'avoir ce duo sac à main et rouge à lèvres. Et pareil, les rouges à lèvres, ils portent aussi le nom des robes. Quand vous avez Miss Dior, vous avez le sac, le rouge à lèvres, le chapeau, la robe, le parfum. Christian Dior, il avait déjà compris le principe du produit plus. Tu ne peux pas prendre la robe si tu ne prends pas le parfum. Mais tu ne peux pas prendre le parfum si tu ne prends pas le rouge à lèvres. C'est toute une collection, tu ne prends pas qu'un seul. Il avait compris déjà, c'est pour ça qu'il était aussi riche. Il était très malin. Et 5 ans plus tard, il fait exactement la même chose avec les vernis. En 1987, vous pouvez retrouver 137 références de vernis Dior. C'est vraiment une explosion de couleurs pour le plus grand bonheur de tous les grands photographes. En 1955, Dior se lance dans la lingerie. Encore une fois, pour sublimer le corps de la femme. En intimité, mais pas que. Après, vous avez plusieurs lignes chez Christian Dior. Vous avez la ligne A, qui fait la poitrine haute et la taille naturelle. La ligne Y, donc toujours cette poitrine haute, mais cette fois on affine encore plus la taille. La ligne flèche, donc c'est vraiment la poitrine haute également, mais c'est trois pinces de biais. La ligne aimant qui affine la taille sans la casser, avec la fermeture éclair qui monte le corps sans détendre la gaine. Christian Dior, il devient vraiment un véritable personnage à travers le monde, et on a vraiment ce personnage de couturier des stars. Avant, un couturier c'était un fournisseur silencieux, et ça c'était jusqu'à Gabrielle Chanel, dont on parlera plus tard, un autre jour certainement. Et Christian Dior, bien sûr, qui attache une certaine importance à lier des liens, à créer des liens avec les stars. Avec Christian, c'est difficile de voir la différence entre ses belles et grandes clientes et ses amies. Lady Diana, Madame Vincent Auriol, Hélène de France, la Duchesse de Windsor, la Princesse Soraya, Grace Kelly, que des femmes d'exception que Christian Dior adore. Ce sont carrément les actrices elles-mêmes qui insistent pour porter du Dior lors des tournages. Marlène Dietrich, par exemple, c'est une grande amie de Dior, mais aussi une énorme cliente. Et dans Le Grand Alibi d'Alfred Hitchcock, elle dit « Je ne jouerai pas dans ce film si je ne porte pas du Dior à chaque image de ce film. » Elle a carrément imposé au réalisateur sa tenue, ses bijoux, la totale. On va parler maintenant de la reprise, puisque Christian Dior décède le 24 octobre 1957. C'est assez brutal, et c'est son premier assistant qui va reprendre les rênes, qui s'appelle Yves Mathieu Saint-Laurent. En personne, oui, oui, Yves Saint-Laurent, en personne, était le premier assistant de Christian Dior. Il est devenu, du coup, directeur artistique de la Maison Dior. Et en 1960, c'est Marc Bohan qui reprend le succès de Dior. Donc les deux ont vraiment cette envie de continuer dans la lancée de Christian Dior, de respecter les choix qu'il a fait depuis le début, tout en donnant ce côté un petit peu plus jeune. Yves Saint Laurent, à cette époque, il a que 20 ans quand il reprend ce succès, donc c'est énorme, c'est énorme. C'est un véritable triomphe. Ce rêve accompli, c'est un véritable triomphe. Et à ce moment-là, il crée la nouvelle ligne trapèze de chez Dior. C'est carrément une rupture avec le new look. Alors, on garde toujours ce respect des codes Dior, mais on est vraiment en rupture avec tout ce qu'était la ligne new look. C'est vraiment un rajeunissement de l'image. En 1967, il crée la ligne Baby Dior. Il y avait beaucoup de personnes dans le lieu mondain qui avaient vraiment cette demande envers la maison Dior de pouvoir habiller ses enfants comme elle. En 1966, on fait cette fois-ci place à l'homme. Yves Saint Laurent décide de faire place à l'homme. On lance Eau Sauvage, donc c'est une eau très fraîche, un parfum pour homme. C'est simple et bien sûr floral. Que serait Dior sans les fleurs?
Ensuite, en 1988, vous avez Fahrenheit qui est lancé. Alors là, on est vraiment sur le contraire d'Eau Sauvage, on est plutôt sur ce côté très chaud, un petit peu cet accord cuiré très chaud. Et ensuite, Dior Homme, un iris masculin poudré. Et pour continuer à faire place aux hommes, en 1970, la maison Dior crée une ligne de cravates. Et comment finir? Il y a énormément de créations chez Dior, donc j'ai envie de parler, mais je ne peux pas faire une vidéo de 2 heures comme ça, c'est pas possible. Mais comment finir cette vidéo sans parler du Lady Dior, ce fameux sac à main qui a révolutionné le monde de la mode. En 1995, la maison Dior crée le sac Lady Dior en l'honneur de Lady Di. Donc on respecte vraiment les codes de la haute couture, on a 130 pièces de cuir et 40 pièces métalliques. Et pour Dior, une femme élégante ne saurait se passer d'accessoires. Et c'est vraiment l'accessoire incontournable chez Dior. Et bien sûr, vous l'aurez compris, plus tard en 2011, donc beaucoup plus tard, vous aurez un sac à main qui portera le nom de Miss Dior. Je ne vous choque pas si je vous dis que la couleur de ce sac est rose, bien sûr, comme le parfum, comme la fleur, comme la robe, tout. On approche de la fin de cette vidéo, j'ai envie de vous parler d'une dernière petite chose chez Dior. J'aimerais finir la vidéo sur mon parfum. Un parfum qui a été confectionné pour moi. En tout cas, c'est ce que la maison Dior a envie de me dire. C'est ce que la marque veut nous faire ressentir quand il crée un parfum qui nous convient. Ça marche tellement que... j'ai toutes les bouteilles, toutes les déclinaisons. Et j'ai même des bouteilles qui ne sont même pas encore ouvertes. En 1999, voit apparaître au jour le parfum Dior. J'adore. On connaît tous la phrase de « J'adore Dior » de Charlize Theron, bien sûr. C'est un parfum floral fruité. C'est un parfum rayonnant, féminin, libre et épanoui, comme le décrit la maison Dior. Je vous avais dit que c'était un parfum fait pour moi, c'est exactement moi. Et c'est ça que j'adore vraiment dans les parfums Dior, c'est que le parfum, les mots qui sont utilisés pour décrire le parfum, c'est exactement les mots qu'on utilisera pour décrire la femme qu'il porte. Miss Dior, on est plus sur le côté, voilà, la tendresse, le bouquet de fleurs, le côté très doux, très délicat, voilà. Miss Dior, moi je l'offrirais, alors moi par exemple, je vais vous le dire, Miss Dior, je l'ai offert à ma nièce parce que, voilà, pour moi, ce sont des femmes très douces, très délicates. C'est comme ça que je les vois. Je leur aurais jamais offert ce genre de parfum-là. J'ai lu le descriptif du parfum J'adore. Pour moi et c'était sûr que j'allais aimer. Et quand j'ai senti le parfum, j'ai vraiment senti exactement chaque mot utilisé pour décrire ces parfums et qui me décrivent également moi. Alors, le flacon, bon là, je vous prends le parfum d'eau, peu importe, mais... Le flacon, il respecte la ligne en 8 de Dior. Donc on est vraiment sur la forme du corps de la femme. Donc on respecte la première collection de Dior et ce chiffre porte bonheur pour la maison Dior. On y retrouve la petite goutte d'eau qui est prête à se détacher du flacon. On retrouve le collier Maasai pour supporter la goutte. Quand vous le tournez, là vous avez marqué à l'intérieur « J'adore ». À l'intérieur, il y a le logo Christian Dior, que ce soit ici ou ici. Je vous dis, chaque détail compte, c'est incroyable. Et ben voilà, je crois que j'ai fini et je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire sur la maison Dior. J'espère vraiment que la vidéo vous aura plu. J'ai été très contente de la faire et j'ai hâte de faire les prochaines maisons que je vais vous présenter dans les prochaines semaines. Donc voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, j'espère que vous avez appris beaucoup de choses. Et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.